Alléluia. Yamba loyimbo motema. Zwa loyimbo ya motema. Ibonza na pesi na yo polo. Misama Yahweh. Zwa loyimbo ya motema. Ibonza na pesi na yo polo. Misama Yahweh. Kembweza liya yo. Ibonza na pesi na yo polo. Misama Yahweh. Kembweza liya yo polo. Ibonza na pesi na yo polo. Misama Yahweh. Nani oya kufelanga ati kanke mbona likolo izali o Yesu Alléluia. Yamba loyimbo télévision avec le pasteur Jimmy. C'est ma bien très chère téléspectateur. Aujourd'hui, je suis venu continuer ma prédication sur le monde hanté chaotique. J'avais clôturé ce message, mais je voulais éclaircir encore quelques points à propos d'une question qu'un frère m'avait posée. Bien, à travers cette question, j'aimerais clôturer ce message sur le monde hanté, chaotique. Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, merci pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces ascèles. Et suivant ces messages pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Praise God, hallelujah. Bien, comme je vous ai dit, très chers téléspectateurs, il y a un chrétien qui m'avait posé la question disant que pasteur, est-ce que le diable habitait seulement sur la terre? Il n'a jamais habité au ciel? C'est ça la question que ce frère m'avait posée. Bien, la réponse est celle-ci. Le diable était un ange. Alors, à la base, les anges habitent au ciel. Les
les anges habitent au ciel. Nous allons prendre un passage biblique, Matthieu 22, verset 30. Matthieu 22, verset 30. Prenons Matthieu 22. Évangile de Saint Matthieu. Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Verset 30. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de maris, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Donc les anges habitent au ciel. Prenons encore un autre passage. Genèse chapitre 28, verset 12. Genèse chapitre 28, verset 12. Il y eut un songe, et voici une échelle étant appuyée sur la terre et son sommet touchant le ciel. Et voici les anges de Dieu montés et descendaient par cette échelle. Ça, c'est les songes que Jacob avait vus. Jacob voyait les anges monter dans le ciel et descendre des cieux sur la terre. Donc, à la base, les anges habitent au ciel. Alors, Satan était un chérubin, comme nous dit la Bible. Il était un chérubin. Ézéchiel chapitre 28, verset 14. Ézéchiel. 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 Ézéchiel 28, 14. Qu'elle nous dit? La parole de Dieu. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres intercellantes. Tu étais un chérubin protecteur. Le diable était un chérubin. Or, le chérubin est l'un des groupes des anges. Donc, à la base, le diable habitait au ciel. C'est très important. Mais, ici sur la terre, il était envoyé pour accomplir une mission. Parce que les anges sont au service de Dieu. Les anges travaillent pour Dieu. Donc, les diables habitaient ici sur la terre. Sur la terre, il était en mission. Sa mission était de protéger la terre. C'est très important. Les anges, tous les anges sont au service de Dieu. Les anges travaillent pour Dieu. Ils sont nos serviteurs. Lorsque les anges travaillent pour nous, les enfants de Dieu, cela signifie qu'ils travaillent pour Dieu. Les anges sont au service de Dieu.
Satan était un chérubin. Un chérubin est un ange. Or, les anges sont au service de Dieu. Lisons Psaume 103. Psaume 103. Psaume 103. Psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutent ses ordres. Les anges exécutent les ordres de Dieu. Donc les anges sont au service de Dieu. Vous savez, très chers téléspectateurs, nous avons les groupes des anges au ciel. Je ne prêche pas l'angéologie. C'est le message de Christ qui m'intéresse. Praise God, alléluia. Nous avons les groupes des anges. L'Ancien Testament nous révèle des groupes des anges. Les chérubins et les séraphins. Les chérubins, nous avons Genèse. Il y a plusieurs livres de la Bible qui parlent des séraphins, mais nous allons prendre Genèse, Genèse chapitre 3. On nous parle des chérubins. Les chérubins est un groupe des anges. Genèse, chapitre 3, verset 22 à 23. Puis Yahvé, Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour connaître le bien et le mal, qu'il n'étende pas maintenant la main, n'écaille aussi de l'arbre de vie, n'en mange et ne vive pour toujours. Et Yahvé, Dieu renvoya du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été tiré. Il bannit l'homme et il posta devant le jardin d'Éden les chérubins et la flamme du glaive fulgurant pour garder les chemins de l'arbre de vie. C'était les chérubins qui gardaient l'arbre de vie. Donc les chérubins est un groupe des anges. Et si nous prenons Ésaïe, Ésaïe chapitre 6, Ésaïe chapitre 6, Ésaïe chapitre 6, Ésaïe chapitre 6, verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, des dont ils se couvraient la face, des dont ils se couvraient les pieds et des dont ils se servaient pour voler. Donc l'Ancien Testament nous révèle seulement deux groupes des anges, les chérubins et les séraphins. Mais le Nouveau Testament nous révèle cinq groupes des anges. Le premier groupe, c'est le groupe des trônes. Le deuxième groupe, nous avons le groupe des dignités. Le troisième groupe, nous avons le groupe des dominations. Le quatrième groupe, nous avons le groupe d'autorité. Et le cinquième groupe, nous avons le groupe des puissances. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24. Colossiens chapitre 2, 9 à 15. Nous avons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24. Et nous avons Éphésiens chapitre 3, verset 10. Donc,
Le Nouveau Testament nous révèle 5 groupes des anges. Par contre, l'Ancien Testament nous révèle 2 groupes des anges. Ça, c'est la complémentarité. Donc, le diable était un ange. Il était dans les groupes des chérubins. Comme il était un ange, il était au service de Dieu. Donc, sur la terre, Dieu l'a envoyé pour une mission. Et sa mission était de protéger la terre. Le diable habitait sur la terre avant l'homme. L'homme n'est pas le premier habitant de la terre. C'est très important. Le diable était envoyé sur la terre pour servir Dieu. Alors, son service était de protéger la terre. Pourquoi je dis protéger la terre? Parce que Dieu lui a un chérubin protecteur. Lisons Ésaïe. Lisons encore Ésaïe. Ésaïe, plutôt Ézéchiel. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, verset 14. Ézéchiel 28, verset 14. Tu étais chérubin protecteur. Tu étais chérubin protecteur. Alors, il était chérubin protecteur pour protéger qui? Il était chérubin protecteur pour protéger qui? Ce n'est pas pour protéger les anges. Il a été un chérubin protecteur pour protéger qui? Les gens qui vivaient sur la terre. Pas pour protéger les anges. Il a été un chérubin protecteur. Praise God, hallelujah. Le diable habitait sur la terre. Dieu lui avait confié la mission. Mais à la base, il habitait le ciel parce que les anges habitent le ciel. Matthieu chapitre 22, verset 30. Alors, quelle était la mission du diable sur la terre? Sa mission était de protéger la terre. C'est pour cela qu'il a été un chérubin protecteur. Le mot hébraïque qui est là-bas, lisons encore prénom. Praise God. Prénom Ézéchiel. Ézéchiel. Ézéchiel 28. Prenons la version Darby. Parce que lui second, qu'est-ce qu'il dit? Tu étais chérubin protecteur. Ça c'est lui second. Prenons Darby. Tu étais un chérubin oint qui couvrait et je t'avais établi. Tel tu étais dans la scène montante de Dieu. Tu marchais parmi des pierres de feu. Ça, c'est la version Darby. La version Martin. Tu as été un chérubin oint pour servir des protections. Il était un chérubin oint pour servir des protections.
Le mot Mimichak, Mimichak, c'est un participe passé. Il vient du verbe macha, oindre. Ou d'une autre façon, Mimichak, c'est un adjectif qualificatif qui était un chérubé oint pour servir de protection, pas pour protéger les anges. Lorsqu'il y a la protection, ça signifie qu'il y a un danger. Le diable était un ange qui protégeait. Il était loin pour protéger. Le mot hébraïque qui est là-bas, c'est sarar. Sarar. Sarar qui signifie protéger, bloquer, couvrir. C'est pour cela que Martin l'a traduit couvrir. Sarar. God, alléluia. La mission du diable sur la terre était pour protéger. Il protégeait les hommes qui habitaient dans le monde hanté, chaotique. Les gens qui habitaient dans le monde avant Adam. Praise God. C'est très important. Mais il y a une chose. Les diables qui étaient envoyés pour protéger les gens sur la terre, lui-même était trouvé dans le mal. Vous savez, la Bible nous dit, Dieu lui a un chérubin protecteur. On protège seulement lorsqu'il y a un danger. La protection est une mesure préventive. Les diables étaient envoyés sur la terre pour protéger les gens qui vivaient sur la terre contre les mâles. Parce que le monde avant Adam était habité. Il y avait des villes, il y avait des rois, il y avait des montagnes, il y avait des oiseaux. Suivez les prédications précédentes, vous allez comprendre parce que je ne saurai pas reprendre tout ce que j'ai prêché. Il était envoyé sur la terre pour protéger. On protège les gens qui sont en danger. Sa mission était de protéger. C'est pour cela qu'il a été un chérubin protecteur. Lui qui a été envoyé par Dieu pour protéger les hommes sur la terre contre les mâles, mais lui-même s'est retrouvé dans le mal. Le diable s'est retrouvé dans le mal. Il était envoyé pour protéger les gens sur la terre contre le mal, mais lui-même, le diable, s'est retrouvé dans le mal. Ézéchiel chapitre 28, verset 15. Ézéchiel chapitre 28, verset 15. Ézéchiel 28, verset 15. Tu as été intègre dans tes voies. Le diable était fidèle, était intègre dans ses voies. Depuis les jours où tu fus créé,
Dieu l'a créé intègre. Jusqu'à celui où l'iniquité a trouvé chez toi. Jusqu'à ce que l'iniquité a trouvé chez toi. Jusqu'à celui où l'iniquité. Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Le diable était créé intègre. Mais Dieu a vu les péchés dans le diable. Jérémie, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Dieu a vu l'iniquité chez le diable. Le mot l'iniquité en hébreu, c'est aval. Aval. Les traducteurs l'ont traduit par iniquité. Aval. Aval. Le mot aval signifie être méchant. Être méchant. Aval signifie perversion. Perversion. Aval signifie injustice. Méchant, être méchant. Dieu dit, comme nous dit dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 28, verset 15, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Dieu a vu l'iniquité dans la vie du diable, dans la vie de Satan. Mais à la base, il a été créé intègre. Le mot iniquité, s'il faut mettre la meilleure traduction, c'est la méchanceté. Dieu a trouvé la méchanceté chez le diable. Dieu a trouvé les péchés dans la vie du diable. Dieu a trouvé l'injustice dans la vie du diable. Dieu a trouvé la perversion dans sa vie. Mais à la base, il a été créé intègre. J'ai trouvé en toi la méchanceté. Les traducteurs auraient les traduits de la sorte. J'ai trouvé, depuis que j'ai trouvé en toi la méchanceté, depuis que j'ai trouvé en toi l'iniquité. Donc les mots aval, ça signifie méchant, être méchant. Praise God, alléluia. La méchanceté du diable. Lisons Ézéchiel chapitre 28, verset 17. Ézéchiel 28, verset 17. Ton cœur s'est élevé, ça c'est la méchanceté du diable. Jusqu'à ce que j'ai trouvé l'iniquité en toi. Dieu a vu la méchanceté dans la vie du diable. Et la Bible nous dit quoi? Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Ézéchiel 28, 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu la sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi
il y avait des rois dans le monde entier chaotique. Ton cœur s'est élevé à cause de la beauté, de ta beauté. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Qu'est-ce que signifie ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté? Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, ça signifie la fonction qu'il occupait sur la terre lui a rendu orgueilleux. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Ça signifie tout simplement la fonction dont le diable occupé sur la terre lui a rendu orgueilleux. Et qu'est-ce nous dit encore la Bible? Par ton éclat, voilà, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. Qu'est-ce que cela signifie? Tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. Ça signifie la gloire a rendu le diable fou. La visibilité qu'il avait ici sur la terre lui a rendu folle. La grandeur qu'il avait sur la terre a corrompu sa sagesse. La renommée a fait qu'il se compare avec Dieu. Praise God, alléluia. Par ton éclat, tu as corrompu ta sagesse. L'éclat, c'est la visibilité. Le succès qu'il avait, la considération qu'il avait ici sur la terre, lui a rendu fou. Jusqu'à tel point, il s'est comparé avec Dieu. Il a voulu détrôner Dieu. Vous savez, plusieurs personnes aujourd'hui, si les choses commencent à marcher dans sa vie, il devient orgueilleux. Il commence à ignorer les gens. Même les gens qui l'ont aidé dans la vie, il commence à les ignorer. Ça, c'est l'attitude du diable. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. La fonction qu'il occupait lui a rendu orgueilleux. Par ton éclat, tu as corrompu ta sagesse. L'éclat, c'est la visibilité, c'est la renommée. C'est le succès qu'il avait. Et ce succès lui a rendu fou. Mais je vais vous montrer un peu Jésus. Jésus dans Ésaïe 53, verset 2. Que nous dit la Bible? Ésaïe 53, verset 2. Ésaïe 53, verset 2. Que nous dit la Bible? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat. La Bible nous dit que Jésus n'avait ni beauté ni éclat. Et ces deux mots sont répétés dans la vie du diable. Sa beauté a fait qu'il devient orgueilleux. Son cœur s'est élevé à cause de sa beauté. Et la Bible nous dit, par son éclat, tu as corrompu ta sagesse. Mais écoutez Jésus. La Bible nous dit pour Jésus, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat. Ça, c'est l'humilité. Jésus s'est effacé. «
les rôles dont Jésus était venu jouer sur la terre, ou les rôles dont Jésus était venu faire sur la terre, ces rôles-là ne lui ont pas rendu orgueilleux. Le succès dont Jésus avait sur la terre ne lui a pas rendu orgueilleux. Au contraire, la Bible nous dit, il s'est humilié, devenant semblable aux hommes. Lui qui était Dieu, il a accepté de mourir nu sur la croix. Quelle humilité! La Bible nous dit, il avait ni beauté ni éclat. Ça, c'est l'humilité. Mais le diable, la beauté qu'il avait, l'a poussé d'être orgueilleux. L'éclat qu'il avait, l'a fait qu'il devienne fou. C'est comparé même avec Dieu. Il avait ni beauté, ni éclat. Jésus avait éteint sa beauté et son éclat. Ça, c'est l'humilité. Il avait sa beauté, la fonction qu'il jouait, la fonction qu'il avait, les rôles qu'il avait. Mais il a éteint sa beauté. Il a éteint son éclat. Sa beauté et son éclat ne lui a pas fait enorgueillir. Il a accepté de mourir sur la croix nu. Mais par contre, le diable, son cœur s'est élevé à cause de sa beauté. Mais Jésus a éteint sa beauté. Par contre, le diable, son éclat a corrompu sa sagesse. Mais Jésus, il a éteint son éclat. Ça, c'est l'humilité. Praise God, alléluia. La méchanceté du diable a fait que le diable séduise toute la terre. C'est le diable qui a séduit les premiers mondes. Le monde avant Adam a été séduit par le diable. C'est pour cela qu'il dit, tu as été créé intègre depuis le jour de ta création jusqu'à ce que j'ai trouvé la méchanceté chez toi. Dieu a trouvé la méchanceté dans la vie du diable. Pourquoi? Parce que sa beauté, son cœur s'est élevé à cause de sa beauté. La fonction qu'il jouait sur la terre lui a rendu orgueilleux. Par son éclat, tu as corrompu ta sagesse. La visibilité qu'il avait, la grandeur qu'il avait, le succès qu'il avait, la renommée qu'il avait, lui a rendu fou. Jusqu'à tel point, il s'est comparé avec Dieu. C'est le diable qui a séduit le monde de Genèse, chapitre 1, verset 1. Le monde antéchaotique. C'est le diable qui a séduit tous les gens qui habitaient dans ce monde. Et il était capable de séduire même les anges. Il
Lisons Apocalypse. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Verset 9. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et Satan, celui qui séduit toute la terre. La terre dont on parle ici, c'est la terre de Genèse, chapitre 1, verset 1. La terre dont les livres d'Apocalypse parlent ici, c'est la terre de Genèse, chapitre 1, verset 1. Regardez la construction des verbes ici, ne sont pas au futur, ni au présent, mais la construction des verbes sont au passé, à l'imparfait. 9. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter celui qui séduit toute la terre. Et il fit précipiter sur la terre et ses anges firent précipiter avec lui. Et ses anges firent précipiter avec lui. C'est le diable qui a séduit toute la terre. Quelle terre? C'est la terre de Genèse, chapitre 1, verset 1. La terre dont les livres d'Apocalypse nous parlent ici, c'est la terre de Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est cette terre-là dont les livres d'Apocalypse nous parlent. Praise God! C'est le diable qui a séduit toute la terre. Quelle terre? C'est la terre de Genèse, chapitre 1, verset 1. Le monde antéchaotique, le monde avant Adam. Et Dieu l'a jeté sur la terre. Parce que sa mission était ici sur la terre. Donc au ciel, il était parti pour faire un coup d'état. Parce qu'à la base, est un être céleste, le diable. Est un être céleste. Qu'est-ce qu'il était parti faire au ciel? C'était pour aller renverser les créateurs et les anges qui étaient corrompus. Il était capable de corrompre même les anges au ciel. Et Dieu les a jetés sur la terre. Je monterai au ciel. Le diable habitait sur la terre. Oui, c'est un être céleste, c'est un ange. Les anges, à la base, vivent au ciel. Mais sur la terre, il était en mission. Et la mission qu'il avait, c'est de protéger la terre. Parce qu'il a été loin, chérubin, protecteur, pas pour protéger les anges. Sa protection servait pour protéger les gens qui habitaient sur la terre. On protège les gens lorsqu'il y a un danger, lorsqu'il y a un mal. Mais curieusement, la Bible nous dit, Dieu a trouvé le mal chez les diables. Depuis que j'ai trouvé l'iniquité, le mal, les péchés en toi. Le diable était jeté sur la terre. Avec les anges.
qui ont suivi sa voix. Ils étaient tous jetés sur la terre. Au ciel, il était parti pour faire un coup d'état. Et ce jour-là, il a été jeté sur la terre, y compris les anges qui avaient suivi sa voix. Il a séduit les gens qui habitaient dans le monde de Genèse, chapitre 1er, verset 1. Tous étaient séduits par les diables. Lisons De Pierre, chapitre 3, verset 3 à 6. De Pierre, chapitre 3, verset 3 à 6. Praise God. Je l'ai enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec les railleries méchants selon leur propre convoitise, en disant où est la promesse de son avènement. Car depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, les mondes d'alors submergés par l'eau. C'est par ces choses, les mondes d'alors submergés par l'eau. Je relis. Et que par ces choses, quelles sont ces choses qui ont fait que Dieu détruit les premiers mondes par l'eau? Qu'est-ce qui a fait que Dieu détruit les mondes hantés chaotiques par l'eau? Qu'est-ce qui a fait cela? Que nous dit la Bible? Dans les derniers jours, verset 3, enseignez par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec les railleries méchants, selon leur propre convoitise, disant où est la promesse de Dieu, où est la promesse de son avènement, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Et plus loin, la Bible nous dit, c'est par ces choses le monde alors fut périr. Donc, les gens qui habitaient dans le monde hanté chaotique, ils commençaient à se moquer de Dieu. Ces gens-là commençaient à renier l'existence de Dieu. Et qui a amené ces gens-là à arriver jusqu'à tel point? C'est les diables. Et la Bible nous dit que c'est par ces choses-là que Dieu, le monde d'alors a été submergé. Ces gens étaient devenus des moqueurs, régnant l'existence de Dieu. C'est par ces choses le monde de la loi fut submergé par l'eau. Je n'invente rien, j'interprète la parole de Dieu. 1 Pierre, 2 Pierre, chapitre 3, verset 2, verset 3 à 6. 2 Pierre, chapitre 3, verset 3 à 6. Le monde d'alors a été détruit parce que les gens de l'époque ne croyaient plus. Et ces gens-là étaient séduits par les diables, comme nous dit Apocalypse chapitre 12, verset 9.
Le diable qui séduisit toute la terre. Quelle est la terre? C'est la terre de Genèse chapitre 1, verset 1. Le monde était chaotique. Lisons Ésaïe. Praise God. Hallelujah. Lisons Ésaïe. Lisons Ésaïe chapitre 14. Lisons Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14, verset 13. À 14. Ésaïe 14, 13 à 14. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel. Ça signifie, le diable habitait sur la terre. Comme il était un ange, il était envoyé sur la terre. C'est pour cela qu'il a dit, je monterai. Et les jours qu'il avait monté au ciel, c'était ces jours-là. Dieu l'avait jeté sur la terre, y compris les anges qui avaient suivi sa voix. Je monterai. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'ensemble à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Waouh, quelle folie! Vous savez, les succès rendent les gens fous. La grandeur des fois rend les gens idiots. Je serai semblable au Très-Haut. 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Il a été précipité, il a été jeté. Praise God, alléluia, praise God, alléluia. Lisons encore Apocalypse 12, Apocalypse 12. Apocalypse 12. Apocalypse 12, verset 7 à 9. 12, 7 à 9. Il y eut et il fit. Oui, Apocalypse chapitre 12, 7. 7 à 9. Et il y eut guerre dans les ciels. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent, mais ils ne firent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens appelés les diables, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre, et ses anges firent précipiter avec lui. Il y avait une bagarre au ciel. Ange Michael et ses anges combattaient avec les diables. Ce n'est pas les diables qui combattaient avec Dieu. Les diables ne peuvent jamais lever sa main. À Dieu. Le diable ne peut pas lever sa main pour taper son créateur. Il ne peut même pas s'approcher. Mais comment dit donc? Vous savez, quand les gens parlent des combats spirituels, ils nous font voir comme si le diable fait la bagarre avec Dieu. Lorsque l'ange Michael faisait la bagarre avec les diables et ses anges, Dieu voyait
Jésus dit dans le livre de Luc, je voyais le diable tomber comme un éclat. C'est-à-dire, Dieu regardait comment est-ce que les anges faisaient la bagarre au ciel. Parce qu'il était monté pour détrôner Dieu. Et il y avait une bagarre. Il y avait les bagarres au ciel. Entre les anges. De l'ange Michael et celui du diable. Et que nous dit la Bible? Il a été jeté, précipité sur la terre. Le diable était jeté. Les anges, le diable n'est pas le tout-puissant. La Bible nous dit au dernier jour, un seul ange viendra le lier, il sera lié par un seul ange. Il y a des anges au ciel qui sont plus forts que les diables. Un seul ange qui viendra le lier, pas deux, un seul. Praise God, hallelujah. Et si vous regardez la construction de cette phrase, la construction de cette phrase est au passé, à l'imparfait. Ici, Jean nous raconte les événements qui étaient passés dans le monde entier chaotique et dans le ciel. C'est le diable qui a séduit toute la terre. Quelle est cette terre-là? C'est la terre de Genèse, chapitre 1, verset 1. C'est cette terre-là que je dis le monde entier chaotique. Le monde avant le chaos. Le monde avant Adam et Ève. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Le monde entier chaotique n'est pas une fiction, mais est un monde qui a existé avant la création de l'homme créé à l'image de Dieu. Adam et Ève étaient créés à l'image de Dieu. Et les gens qui habitaient dans le monde avant Adam, je ne sais pas s'ils étaient créés à l'image de Dieu. Et je ne sais pas s'ils avaient quelle race. Mais la Bible nous dit qu'ils étaient des hommes. Jérémie 4. Jérémie 4. Jérémie chapitre 4. Verset 23 à 24. J'ai regardé la terre et voici, elle était informe et vide. Les cieux et la lumière a disparu. J'ai regardé les montagnes, et voici, elles sont ébranlées, et toutes les collines chancellent. 25. J'ai regardé, voici, il n'y a point d'homme. C'est-à-dire, il y avait les hommes dans le monde entier chaotique. J'ai regardé, il n'y avait plus d'homme. Suivez des vidéos précédentes, vous allez comprendre la suite de ces messages. L'homme n'est pas le premier habitant de la terre. L'homme créé à l'image de Dieu n'est pas le premier habitant de la terre. Les diables habitaient sur cette terre avant l'homme. Nous habitons dans une terre qui a été recréée. Pas dans une terre créée. La terre créée, c'était dans Genèse chapitre 1er. Verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
cette terre-là a été créée. Et nous, nous habitons dans une terre qui a été recréée parce que Dieu avait détruit la première terre par l'eau. C'est pour cela que la Bible nous dit « La terre devint informe et vide ». J'aimerais faire une correction dans ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. J'avais écrit un mot en hébreu, mais il serait mieux que je le corrige. Parce que j'ai remarqué, j'ai fait une petite erreur. Genèse, chapitre 1er, verset 2. C'est très important. La terre était informe et vide. J'aimerais... La terre devint informe et vide. J'aimerais faire la correction. C'est très important. J'aimerais faire la correction. C'est très important. La terre devint informe et vide. V. Veha. Arach. Veha. Vehaha. Arach. Ha. Haya, haya, hayeta. Tohu. Tohu. Va. Genèse chapitre 1er verset 2. C'était ici là. C'était l'erreur que j'ai fait, c'était ça là. Dans l'erreur que j'ai fait, ça je n'avais pas mis. Les traits ici là. J'ai fait comme ça. Haye, haye. Ha. J'ai fait ce haye. J'ai écrit haye ha. Mais je lisais Haïta. Donc c'est une erreur. Donc ça c'est Tav. Là, j'ai fait. Là, j'ai bien écrit. Je n'ai pas fait une erreur. Donc c'est Haïta. Haïta. Donc, la terre devint informe et vide. Haïta. Ce verbe est conjugué au troisième personne du singulier féminin. Et ce verbe ici, à l'infinitif, c'est le verbe aya. Aya. Le verbe aya. Le verbe aya, ça signifie tout simplement être, verbe devenir, devenir, arriver, ça signifie aussi arriver, arriver. Donc lorsque la Bible dit la terre était informe et vide, cette traduction n'est pas correcte. Ou cette traduction ne correspond pas vraiment à la construction de la phrase. La terre, avant qu'elle devienne informe et vide, cette terre-là était créée. La terre était d'abord créée et après, cette terre était devenue informe et vide.
commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Verset 2. La terre devint, pas la terre était informe et vide, non. La terre devint informe et vide. Pourquoi la terre devint informe et vide? Parce que la terre existait. La terre et les cieux existaient avant que la terre devienne informe et vide. Donc l'homme n'est pas le premier habitant de la terre. La terre d'où nous habitons était habitée avant l'homme. La terre d'où nous habitons était habitée avant l'homme créé à l'image de Dieu. Adam et Ève n'est pas les premiers habitants de la terre. La terre d'Adam et Ève était habitée avant leur création. Et celui qui gouvernait cette terre, c'était le diable. Et c'est lui qui a séduit la terre là. C'était à cause de lui, Dieu avait détruit le premier monde à cause du diable. Parce que c'est lui qui a séduit toute la terre, qui avait séduit toute la terre. La terre dont la Bible nous parle dans les livres d'Apocalypse, ce n'est pas cette terre. C'est la terre de Genèse, chapitre 1er. Verset 1. C'est le diable qui avait séduit les gens qui habitaient dans cette terre-là. Et c'est là qui a fait que Dieu puisse détruire la terre. Dieu a détruit la terre. La Bible nous dit que la terre était devenue informe et vide. Alors si Dieu avait détruit les premiers mondes, les mondes d'alors, et Dieu nous promet, aujourd'hui, il détruira ce monde par les faits. Le monde d'aujourd'hui sera détruit par les faits. Et la Bible nous dit dans les livres de l'Apocalypse, l'apôtre Jean a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Dieu viendra installer une nouvelle terre et un nouveau ciel. Parce que les anciennes choses avaient disparu. Et toutes choses étaient devenues nouvelles. Nouvelle terre, nouveau ciel, tout était nouveau. Et la Bible nous dit, dans les nouveaux ciels et la nouvelle terre, les gens qui habiteront dans ces terres-là, ces gens-là seront heureux parce qu'il n'y aura pas la maladie. Il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas de larmes. Il n'y aura pas la séparation. Praise God. Hallelujah. Notre cher téléspectateur, tu ne mérites pas d'aller en enfer. Tu mérites d'entrer dans cette terre-là. Tu mérites de vivre dans les bonheurs. Tu mérites cela. Tu ne mérites pas l'enfer. Parce que l'enfer a été réservé pour les diables et ses anges. Toi, tu mérites de vivre dans la nouvelle terre dont Dieu viendra installer sur cette terre. Parce que cette terre dont nous voyons disparaîtra. Oh pasteur, qu'est-ce que tu nous dis là? Mais oui, parce que la terre dont nous habitons, nous ne sommes pas les premiers gens qui habitent dans cette terre. Parce que cette terre avant était habitée par les diables. Dieu l'avait détruit. Et il l'a recréé pour que toi et moi nous habitions dans cette terre. Si Dieu l'avait fait, il est capable de le faire aussi. Et il a dit, il détruira cette terre par les faits. Bien très cher téléspectateur, tu ne mérites pas d'aller en enfer. Tu mérites d'entrer au ciel. La Bible nous dit, les justes
hériteront la terre. Les justes hériteront la terre. La terre est un héritage pour les justes. Alors, pour devenir juste, tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu veux l'accepter? Alors, fais cette prière avec moi. Lorsque je dirai mon nom, toi, tu diras le tien ou la tienne. Tu veux l'accepter comme Seigneur et Sauveur? Alors, fais cette prière avec moi. Éternel Dieu, je confesse dans ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour que moi, Jimmy, je sois sauvé. Papa, merci parce que je suis sauvé. Papa, merci parce que je suis devenu une nouvelle créature. Papa, merci parce que je crois dans mon cœur que Jésus-Christ était mort pour mes péchés et qu'il a ressuscité d'entre les morts pour que je reçoive la vie éternelle. Papa, merci parce que la vie éternelle est en moi. Papa, merci parce que je suis devenu ton enfant. Papa, merci. Au nom de Jésus. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, la prière que tu viens de faire vient de changer le cours de ta vie. À partir de maintenant, tu es devenu enfant de Dieu. Tu es devenu une nouvelle créature. La vie éternelle est en toi. Tu es maintenant né de nouveau. Mais ce que tu dois faire, tu as besoin d'être baptisé. Alors, va chercher une église. Et lorsque tu arriveras dans cette église-là, tu diras au pasteur, « Pasteur, je vais être baptisé. » Et si le pasteur te pose la question, « Pourquoi tu veux être baptisé ?» Tu lui répondras que, « Pasteur, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. » Si tu te poses la question, « Comment est-ce que tu l'as accepté ?» Tu répondras au pasteur, « Je l'ai confessé dans ma bouche. Je l'ai accepté. » Comment Seigneur mon Sauveur? Tu as besoin d'être baptisé. Et à chaque fois, nous postons nos vidéos dans les réseaux sociaux. Ne loupez pas nos vidéos. Partagez ces vidéos. Dites à tes amis de s'abonner dans cette chaîne de télévision. Nous voulons que cette chaîne devienne une grande chaîne. Que Dieu vous bénisse. Ciao.